pas tous. Contrôle classique sur le fond, puisqu'on est en période de confinement. Contrôle un petit peu marqué sur la forme, parce qu'on est passé à une vitesse un petit peu supérieure de la phase vraiment de prévention. Maintenant, les gens ne peuvent plus ignorer qu'il faut des attestations en bonne et due forme pour circuler, donc nous sommes moins indulgents. Il n'est pas compliqué du tout de rédiger une attestation, que ce soit sous la forme papier ou sous la forme électronique. Donc l'automobiliste qui prendrait la route, et en l'occurrence ici l'autoroute sans attestation, nous ne ferons hélas pas preuve de clémence. C'est, je l'ai oublié, je ne savais pas, je ne vais pas loin, enfin des prétextes qui ne sont pas valables à nos yeux. Bon, on voit bien que ces contrôles routiers ont un double intérêt, c'est de rappeler donc le confinement à ceux qui seraient tentés de ne pas le respecter, mais aussi de vérifier, et on en a encore un exemple ici, que côté sécurité routière, tout est bien en place, puisqu'on trouve des véhicules sans assurance, on trouve des plaques dissimulées et d'autres infractions au code de la route.